Poufouf YouTube, comment allez-vous? C'est un super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo road trip, tout simplement. On va aller se balader. Je vous emmène avec moi. Je prends la GoPro. Et on est parti. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça rendra bien, on verra bien. Ce sera une surprise. On a 2h30, entre 2h30 et 3h aller. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce sera bien, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, tout simplement, on verra bien. On se retrouve là-haut les gars. A plus dans le bus, c'était un super, portez-vous bien, ciao. Too good for your home? Answer me! Coming live from the VIP, heard the nightlife, lost life, where that be? Both the feds and the slave wanna see by me. The whole city got pissed, heard he got three. That other rapper got a hip and shouted, he not out. Who set the city on fire soon as he got free? The king back now, Rawls don't even know how to act now. Hit the club, strippers getting naked before I sat down. Still ballin', money stacked tall, the shack now. Still push a button and let the roof on the lack down. I'm on the road doing shows, put my Mac down. Mississippi to Philly, Albuquerque to Jack Town. Got the crowd yelling, hey, I'm a hot girl yelling, ayy, all the dope boys yelling, ayy, front the back gate yelling, ayy, ayy, got the crowd yelling, ayy, all my hot girls yelling, ayy, all the dope boys yelling, ayy, front the back gate yelling, ayy, I'm a crazy kid with other southern rapper hooded in this.
I got rich and I'm still in a hooligan clique. You be rapping by flow, I was moving the bricks. You talk about shooting out, now we're doing it fresh. If I hit you in the face, you gon' be suing me quick. Never catch another case, I know it truly be missed. So I'ma keep a cool head, stay out of the news headlines, and show these other rappers it's bedtime. It's clear to see that I'm ahead of my time. I kinda grown down hard time. Pour vous, YouTube, quand allez-vous? Ah, super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, petit road trip. On est à Disneyland avec Lapinou. Et je n'ai jamais été à Disneyland, c'était l'un de mes rêves. Et du coup, voilà, on y est. Je me suis dit que j'allais prendre la GoPro et que j'allais vous emmener. Donc voilà, petit Disneyland, la musique qui saoule bien. Depuis le parking Allier, on a mis 2h30 pour venir. Il y a des canards, il y a du monde partout. Et ce qui est cool, c'est que normalement, il devait pleuvoir. Mais au final, pas de pluie, il fait super beau. Et le parc est juste magnifique. C'est hallucinant comme c'est grand. Et voilà, juste trop classe. Vous allez nous suivre toute la journée, on va vous montrer plein de trucs. Enfin, on va essayer, ça dépend de la batterie de la GoPro. Normalement, j'ai prévu. Donc voilà les gens, aujourd'hui, vidéo, on est à Disneyland en avant. Mic check, 1, 2, 1, 2. You wanna beef with the king, what is you gon' do? When you show up on the scene, what are two guns drew? And you and your friend, and play a little 2-on-2. If you do half of what I do, then you'll be hitting the deck. I got a tool and a vest, I had to get some respect. I'ma make it hard for another sucker to flex. Show him this ain't the score, for a sucker to test. Man, my nuts too large, and we way too fresh. Work well with that, juste hallucinant, hein. Non? Mais dans le château qu'on a vu au début, là, hallucinant. Juste super joli. Putain, on est dans le château du début du parc, c'est trop trop classe. T'as vu? Ouais. Je savais pas qu'on pouvait monter dedans, pas qu'on pouvait le visiter. En fait, c'est le château de... C'est Cendrillon. C'était ça? Ah bravo! Tu m'emmènes à Walt Disney, tu sais même pas la base. Hallucinant. Bon, bah plus qu'à tout visiter. Trop bien. Bon, on a un peu de chance, il n'y a juste personne dans le parc. Donc là, il y a 10 minutes d'attente pour faire le manège là. Et dans les autres attractions, c'est quasi pareil. Donc parfait. Journée parfaite. Il fait beau et il n'y a personne dans le parc. Parfait, parfait, parfait. Nico, c'est pour toi ça, regarde. Génie. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Normalement, ça fait de la fumée. Allez, mon frère, c'est Blink Casar. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de sortir, moi. Il y avait de la fumée dans la fois d'avant. Je vais devoir masturber la lampe magique d'Aladin. Ah, il y a le génie qui est en train de sortir. Ouais, faut y aller, hein. Faut y aller. Le parc est juste hallucinant au niveau des décors et tout. C'est un truc de cinglé. Vraiment un truc de fou. Si vous avez l'occasion de venir, venez à Disney. Parce que c'est vraiment un truc de cinglé. Juste hallucinant au niveau des décors et tout. C'est un truc de malade. Le parc est magnifique. On a déjà fait un manège. C'était pas mal, et là on est sur l'île pirate, Aladdin, je sais pas trop quoi ce qui se passe ici, mais c'est vachement cool. J'ai déjà fait pas mal de parcs, mais je dois avouer que Disney, c'est le level du tu, hein. Et encore plus quand il fait beau et quand il y a personne, c'est un truc de cinglé. Il y a personne dans le parc, il est 10h44. On est arrivé ici un petit peu avant 10h et il n'y a juste personne, c'est excellent.
Et au niveau des attractions, c'est entre 15 et 20 minutes d'attente, il n'y a personne. Donc c'est trop classe. Bon, en même temps, on y était en septembre, on a fait exprès. On n'allait pas y aller en plein milieu d'août, mais c'est excellent. Est-ce qu'il y a des crocodiles? Dommage, ça aurait pu être cool avec des crocodiles. Ça aurait pu être cool. Oh, c'est trop trop classe. Est-ce que t'as vu? Ça, c'est le parc pour ceux qui se demandent. Oh là là, il y avait un truc à montrer là, c'est dommage. Il y avait un gros squelette un peu plus loin qui était magnifique. Dans chaque zone du parc, il y a des cafés, des restaurants et tout ça. Et c'est juste hallucinant. Par contre, il y a un truc qu'on pourra pas vous filmer, c'est les manèges, pour vous laisser un peu de surprise et pour éviter de perdre la GoPro dans une attraction. Mais oh, c'est trop classe. Hakuna Matata. Lapin, t'as vu? Oh la vache. Excellent. Et qu'est-ce qu'on mange ici? Des frites. C'est excellent. On dirait l'arbre Moyo dans Zelda. Non, c'est l'arbre Moyo. Ah, c'est excellent. Bon, d'après la Pinot, on pourra faire du bateau et aller dans l'eau, mais je sais pas si c'est ici qu'on peut aller. Mais c'est juste hallucinant ce qu'ils ont fait au niveau des décors et tout, c'est un truc de cinglé. Ah, c'est on va explorer les grottes secrètes et les repères des pirates. On est au repère du pirate là? Ouais. Oh, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Il y a un pont suspendu. Là, la cabane dans les arbres, ça a l'air sympathique. Ça me fait penser à... Tu sais, dans South Park, il y a un truc comme ça aussi dans le jeu. Il y a Cartman, il fait un délire dans sa baraque, là. Ah oui, le bateau pirate, hallucinant, là-haut. Hallucinant. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Sinon, bah tant pis. Tant pis. Mais normalement, vous devez bien m'entendre, c'est le micro que j'utilise pour les motovlogs. Et là, pour le coup, et bah, on... Pour le coup, bah là, il n'y a pas de moto, il y a moins de vent, donc normalement, ça devrait être cool. Bon, ce qui est dommage, c'est, regarde lapin, c'est le pont là qu'ils ont fermé. En fait, on se demandait ce que ça masquait, et en fait, ça masque un pont, tout simplement. Et puis, il y a Mickey qui nous dit qu'il est en train de travailler pour nous. Menteur, va. Menteur, attends, il y a un truc là. C'est peut-être là pour attendre, non? Hein? Ah là, le bateau, attention. Hallucinant, le bateau. Watch. Le repère de pirates. Ça, c'est pour les petits. Ouais, c'est pour les bébés. C'est là que j'ai caché la YouTube monnaie. Je l'ai mis, je l'ai planqué dans le crâne. Pour ceux qui veulent la récupérer. Allez, là-haut, en face. Là, il y a un crâne dans la montagne. C'est juste hallucinant. Là, t'as un bateau pirate, mais grandeur nature. Pareil, hallucinant ce qu'ils ont fait. Je savais que ça allait être bien Disney, mais je pensais pas que ça allait être aussi classe. T'as vu le bateau? Un lapin? Oh la vache! C'est magnifique. Normalement, j'ai pris une recharge en batterie, donc normalement, on devrait pouvoir tourner toute la journée. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Nous les gars, on se laisse là-dessus, on va continuer la visite. Waouh, regardez-moi ça quoi. Le détail, les gens, le détail. Là, on est à School Rock. Viens, on va au crâne de pierre. Waouh. Je suis sûr, il y a des gens, ils doivent jeter des centimes là-dedans, tu sais. De quoi? Ouais, c'est peut-être fait pour ça. On va aller chercher la YouTube monnaie. C'est le crâne. Le crâne de pierre. Ah ouais, trop classe. Regarde, c'est la bouche. Regarde, c'est la bouche et là, c'est les dents. Et la YouTube monnaie, elle est dans l'eau en fait. Ah ouais, c'est trop classe. Il y a ses yeux et le nez qui est là. Ah, c'est pas mal. En plus, on dirait de la vraie... Non, c'est pas de la vraie pierre, mais c'est vachement classe. Attends, ça monte. Allez, en avant. Ça, on va tester la GoPro de nuit. Voilà, à mon avis, vous voyez plus rien. Nous non plus, d'ailleurs, on voit plus rien.
Ouais. On monte à l'aveugle. Watch. C'est trop, juste trop classe. T'as vu, il y a des pièces partout. Ah oui. C'est la YouTube monnaie. Je l'ai planqué ici. Oh, c'est trop bien fait. Trop bien fait. Je savais pas qu'on pouvait... Je savais pas qu'on pouvait monter dedans. Enfin, qu'on pouvait rentrer dedans. C'est vachement classe, hein. Super joli. Ouais, un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est les gens qui travaillent ici sont déguisés. Et c'est hallucinant comment c'est trop bien fait. Ils sont trop bien déguisés, c'est en fonction du thème où ils travaillent. Et là, on vient de croiser une pirate. Et juste avant, on avait croisé des nains. C'est là l'attraction ? Non, c'est un restaurant, là. C'est le coffre du capitaine, ça. Le petit truc au fond. Petits escaliers. Hallucinant. Regardez, il n'y a personne. Il n'y a personne dans le parc. On a été à Bellward. Pour Halloween, on était à Bellward avec la Pinou. Il y avait un de ces mondes hallucinants. Et là, on est à Disney. Il n'y a personne. Ah, Mickey, elle vient de perdre ses mains. Allez, on va essayer ça, les gens. Pirates des Caraïbes. Temps d'attente 20 minutes. C'était pas ça que je voulais faire, j'espère. À 11h. 11h d'avant. Bon, parfait. 20 minutes d'attente. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Bon, on vous dira comment c'est. Hein. Temps d'attendre 5 minutes. Parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est hallucinant. Hein. Il y a des enfants qui le font, on devrait pouvoir le faire. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était mis dangereux. Ticket 4. Watch, ça va être horrible. Hein ? Ça va être horrible. Bon, alors là, encore une fois, zéro attente. Donc parfait. Parfait, parfait. T'as bien choisi le jour, hein.
Oh là là, zéro attente quoi. C'est parfait. Donc là au niveau de la traction, ça disait looping, faites attention si vous avez mal au cou, au dos, aux articulations, venez pas. Femme enceinte interdit, enfin voilà. En gros on va mourir. En plus j'aime pas trop les manages à sensation forte. Donc à mon avis ça va être dur. Mais les décors sont hallucinants les décors. Hein. T'as vu la petite tente ? Faire du camping. Il y a même une fontaine à eau. Oh, et la queue elle part encore par là-haut et tout. Regarde celui-là. En mode sécurité. T'as bien lu ? Oh là 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 là. Oh le serpent hallucinant. Hallucinant. Ça va être horrible. Voilà ce qu'on va faire. Bon, il y a des enfants alors. Ça va être atroce. Ouais, ça va être atroce aussi. Regarde. Ça va être horrible. Mais les décors, hallucinants. Hallucinants les décors. En plus, il n'y a pas d'attente. Tu sais que j'étais en train de défiler, je pensais qu'il allait avoir de l'attente. Oh là 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 là, mon Dieu. On est prêt. Bon alors voilà, on vient de terminer donc l'Indiana, c'était ça. Alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Bien, mais bon, ça fait un peu peur quand même. Ouais, à un moment il y a un 360 et ils disent de coller la tête contre le siège, mais juste impossible à faire le truc. Mais le manège en soi est excellent, les décors pareil. C'est et le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Pour le moment c'est le meilleur qu'on a fait, oui. On a fait aussi le repère des pirates. Oui, mais c'est une balade plutôt ouais. Avec le décor. Ouais, mais le décor était hallucinant. Hein. Ouais. On aurait dit un film ou un dessin animé, c'est vraiment un truc de 5B. Ouais. Et par contre celui-là, pour adultes, et on a eu du bol, 5 minutes d'attente, on est monté direct, pour le moment on n'a quasiment pas attendu. Non. On est où là ? On est ici. Quasiment on n'a pas attendu, on est ici, donc c'est celui-là qu'on vient de faire, et juste hallucinant au niveau des sensations, c'est un truc de cinglé. Au début je voulais pas le faire vu que je suis pas très sensation forte, mais au final c'est excellent et ça va tellement vite que tout simplement on n'a pas le temps d'avoir peur quoi, on crie mais c'est vraiment génial, c'est un manège à faire. Donc voilà, donc le 16 Indiana Jones et le temple du péril c'est fait, et le bateau pirate c'était lequel ? Le 17 je crois qu'on avait fait, il s'appelle comment ? Et on a fait Adventure Ice, où donc là comme la puis nous disait c'est une petite détente pour les enfants, mais c'était très sympathique, et là on est sur la Jeep d'Indiana. Le 21 aussi. Ouais, on a fait le 21 aussi. Mais le 21 c'était... Comment ça s'appelle le 21 ? Le 21 il est là. 21 c'était Blanche-Neige et les 7 mains. Enfin voilà. Bon. Une balade avec les 7 mains. Ça c'était Blanche-Neige, ouais c'était une banale pour les balades pour les gamins. Donc là on est à Adventure Island. Et maintenant on va se balader puis on vous dira quoi au final. Mais franchement juste excellent, excellent, excellent. Voilà. Bon allez, à toutes. All the dope boys yelling.